Bonjour, nous continuons notre étude sur Daniel chapitre 11 en regardant les versets 10 à 16. Nous avons posé le contexte dans la première étude et là maintenant nous allons regarder un peu plus en détail ces, euh, ces différents versets. Notre objectif est de comprendre quelle part cette histoire que nous voyons sous nos yeux aujourd'hui, celle de, du roi du Sud à la personne de la Russie, en relation avec l'Ukraine Est-ce qu'on est, est qu peut la mettre dans notre ligne prophétique Et si oui, à quel endroit que nous sommes dans cette ligne Prions. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi et à toi seul, Seigneur, car tu en es digne. S'il te plaît, continue à nous instruire alors que nous zoomons de plus en plus ta parole afin de comprendre le temps de notre visitation, notre histoire, le moment où nous nous trouvons aujourd'hui. Béni sois-tu et merci pour cette étude que tu puisses nous instruire. T'avons pris en ton saint nom. Amen. Dans la dernière étude, nous nous sommes arrêtés sur Israël. Nous avons regardé la partie du sud et la partie du nord géographiquement d'Israël. Israël était localisé. Dans le sud, il y avait l'Égypte et au nord, il y avait la Syrie. Dans l'histoire, Babylone a eu à conquérir la Syrie et à devenir, on pourrait dire même prophétiquement, le roi du Nord. Maintenant, quand nous regardons dans le livre de Daniel, il y a cette notion de roi du Sud et de roi du Nord, et que nous essayons de comprendre. Hein, nous n'oublions pas que nous sommes dans l'Empire grec. Quand nous regardons l'Empire d'Alexandre le Grand, il était divisé en quatre parties. Le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest. Pour finir à la fin, en deux parties, l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Pas l'Est et l'Ouest, hein, excusez-moi, le Sud et le Nord. Et Daniel ne va cesser de nous parler des relations, des interactions entre le Sud et le Nord. Nous avons regardé Daniel 11, le verset 10, et nous avons vu des relations avec le verset 40. Et quand on a regardé Daniel 11, le verset 16, nous avons vu des relations avec le verset 41. Donc nous allons effacer tout ceci. Donc l'exercice que nous voulons comprendre, nous savons que le verset 40, le verset 40B, nous avons déjà vu, le verset 40B, c'est 1949. 1989. Donc nous sommes ici, le verset 40B, qui en relation avec le verset 10, et dont l'année, nous avons déjà fait une étude dessus. Le verset 40B, nous la plaçons en 1989. Donc le verset 10, en relation avec le 40B, et nous avons déjà vu cette étude placée en 1989. Nous avons également vu le verset 41, et nous avons placé le verset 41 à la loi du dimanche. Et maintenant, nous venons de voir que le verset 16 est en relation avec le verset 41. Et donc ici, nous plaçons la loi du dimanche. La grande question, le grand point d'interrogation, nous sommes où dans cette ligne Et afin de mieux comprendre où nous sommes dans cette, dans cette ligne, regardons les versets. 11, 12, 13, 14 et 15. Parce qu'entre le verset 40B et le verset 41, il n'y a pas de mots. D'accord Il n'y a rien. Donc, on ne peut pas trouver une autre information. Par contre, nous pouvons trouver des informations dans ces cinq versets. Et ce que je vous invite à faire, c'est, regardons ensemble chaque verset. Nous sommes Daniel, chapitre 11. Et nous sommes au VAC 10. Lisons ce VAC. Dans la version 8 second, il est dit, ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Je tiens à dire que pour cette partie d'étude, je vais beaucoup me baser sur la Bible Rabbinat, parce que nous avons vu que Uriah Smith est la main aidante, en tout cas ses écrits, helen White considère comme la main aidante de Christ. Et la conclusion euh, à laquelle il arrive, euh, quand on regarde cette version euh, Rabbinat, on la comprend encore plus clairement. Nous sommes au verset 10. Et quand on regarde, euh, nous sommes à la diapo 34, la version rabbina, il est dit, mais ses fils reprendront les hostilités, ils rassembleront une grande multitude des troupes qui viendront tous submerger sous leur passage, revenant à la charge, elles porteront la guerre jusque dans la forteresse. Donc là, c'est ce que nous avons connu en 1989 et que nous l'avons déjà expliqué. Alors maintenant... Euh, je, regardons un point regardons un point que Urias Smith dit et que je voudrais aussi m'arrêter dessus. Nous sommes à la diapo 35. La première partie de ce verset parle des fils au pluriel, la dernière d'un au singulier. Les fils de Séleucos, Kalinikos, donc euh, le roi du nord, furent Séleucos, Carus, Caronos et Antiochus Méga. Tous deux, entreprirent avec beaucoup de zèle la tâche de justifier et venger la cause de leur père et de leur pays. L'aîné de ses fils, Séleucos, fut le premier à accéder au trône. Il rassembla une grande multitude pour reprendre les territoires de son père. Donc notons cela, l'objectif c'est de reprendre les territoires de son père. Mais il fut empoisonné par ses généraux après un règne court et sans gloire. Continuons. Son frère, donc Antiochus Méga, qui était plus capable que lui, fut alors proclamé roi. Il prit en charge l'armée, récupéra la Séleucide et la Syrie, et se rendit maître de plusieurs places par des traités et d'autres par la force des armes. Donc on voit le roi du Nord, d'accord, qui prend, qui gagne. Il prit en charge l'armée, récupéra la Séleucide et la Syrie. Donc Antiochus, le roi du Nord, fut vainqueur de Nicolas, le général égyptien, et pensait même envahir l'Égypte. Et là, c'est important, mais il y eut une trêve durant laquelle les deux parties négocièrent la paix, tout, se préparant, tout, tout en se préparant pour la guerre. Donc ici, au verset 10, il y a une lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et le roi du Nord gagne, donc je vais mettre la couronne. Euh, voilà, le roi du Nord gagne. Et après cette victoire du roi du Nord, il va y avoir, on va mettre la paix. Il y a une trêve durant laquelle les deux parties négocient la paix. C'est certainement celui dont il est dit qui se répandra comme un torrent débordera puis reviendra. Donc, maintenant, allons au verset. Donc, le verset 10, on l'a déjà compris. Le verset 16, on l'a déjà compris. Donc, maintenant, on va au verset 11. Est-ce que les ver le verset 11 pourrait nous parler Le verset 11, nous sommes à la diapo 37. Et le roi du Sud, donc, je lis dans la, lui, euh, dans la King James c'est le roi du Sud sera pris de colère et sortira et combattra contre lui, à savoir contre le roi du Nord. Et il mettra sur pied une grande multitude. Mais la multitude sera livrée en sa main. Et quand cette grande multitude sera emportée, son cœur s'enorgueillira. Il fera tomber beaucoup de milliers, mais il n'en sera pas fortifié. Reconnaissons, c'est vrai que quand nous prenons une lecture de ce texte, on a du mal à comprendre si la multitude appartient à qui, ou bien qui est ce il. Alors regardons la version rabbinat. Puis le roi du sud, exaspéré, se mettra en campagne pour combattre contre le roi du Nord. Donc c'est clair, c'est le roi du Sud contre le roi du Nord. Et réunira une nombreuse armée, et cette armée sera placée sous sa direction, donc sous la direction du roi du Sud. Donc le roi du Sud a une grande armée. Et l'armée sera puissante, et son cœur à lui s'enorgueillira. Il fera tomber des myriades, mais ne triomphera pas longtemps. Donc ici nous avons... Le roi, du, le roi du Sud avec plus une grande armée. Voilà, on a le roi du Sud avec une grande armée. Si nous regardons le commentaire du Ria Smith par rapport à ce verset, qu'est-ce que lui il va dire N'oublions pas, hein, le verset, ça s'est réalisé. Intégralement dans l'histoire. Là maintenant, nous, nous voulons comprendre est-ce que prophétiquement on ne pourrait pas comprendre des choses. Nous sommes à la diapo 38. Ptolémée Philopator, donc le roi du sud, succéda à son père évergète, sur le trône d'Égypte. Et il reçut la couronne peu après, quand Eucus Mégas, donc le roi du nord qu'on a vu, hein, le deuxième frère, succéda à son frère dans le gouvernement de la Syrie. C'est un prince amoureux des commodités et du vice, mais la perspective d'une invasion de l'Égypte par Antiochus le réveilla. Les pertes qu'il avait souffert et le danger qui le menaçait le rendit furibond. Donc le roi du Sud, il réunit une grande armée pour arrêter les progrès du roi de Syrie. Ce n'est pas le roi du Nord qui réunit une grande armée contre le roi du Syrie, le roi de Syrie c'est déjà le roi du Nord. Mais le roi du nord souleva lui aussi une grande multitude. Donc le roi du sud a une grande armée, mais le roi du sud, le roi du nord a une grande armée et le roi du sud a une grande armée. Donc on va mettre aussi le roi du nord plus grande armée. Mais le roi du nord souleva lui aussi une grande multitude. L'armée d'Antiochus, donc le roi du Nord, selon Polybe, atteignit 62 000 fantassins, 6 000 cavaliers et 102 éléphants. Dans ce conflit, et donc ce conflit, c'est la bataille de Raphia. Donc là, il nous est dit que voilà, ici, nous sommes sur la bataille de Raphia. Cette bataille qui a réellement existé dans l'histoire en moins de 217. Dans ce conflit, la bataille de Raphia, Antiochus, le roi du Nord, fut défait avec une perte d'environ 14 000 soldats morts et 4 000 prisonniers, et son armée fut remise aux mains du roi du Sud en accomplissement de la prophétie. Et voilà comment on explique euh, ce verset euh, c'est-à-dire, il y a eu cette prophétie quand Uriah Smith a vu en moins 217 l'accomplissement de cette bataille, il a dit « Voilà l'accomplissement de Daniel 11, verset 11. » C'était quoi la bataille de Raphia Alors, regardons un peu plus. Vous aurez beaucoup d'informations sur Wikipédia, même des petits films. Donc, là, ce n'est pas un cours d'histoire, hein? c'est juste quelques informations, mais vous pouvez vraiment vous documenter en dehors de cette étude. La diapo 39, la bataille de Raphia. Oppose le 22 juin 217, donc avant Jésus-Christ, près de Gaza, Antiochus III, qu'on nomme le roi du Nord, roi Séleucide, à Ptolémée IV, roi du Sud, roi de l'Égypte, pour la domination de la Colé-Syrie. Et si vous regardez cette notion de Colé-Syrie, c'est une partie de la Palestine. Donc voilà, ils sont en train de lutter, le roi du Sud et le roi du Nord, pour avoir une partie de la Palestine. Donc les deux jeunes rois exercent en personne le commandement de leur armée respective. Donc la victoire de Ptolémée, donc le roi du Sud, lui permet de reprendre le contrôle de ses possessions au Proche-Orient. Donc il y a vraiment des mots à retenir. N'oublions pas, ils cherchent à avoir quelque chose qu'ils ont perdu. Et là, le roi du Sud, c'est celui qui va gagner la bataille et il va récupérer il lui, lui permet de reprendre le contrôle de ses possessions au proche-orient. elle est considérée, avec la bataille d'Ipsos, hein, comme l'une des plus grandes batailles de l'époque hellénistique. hellénistique, excusez-moi. et nous sommes sur wikipédia. vous pouvez avoir plus d'informations. donc, qu'est-ce qu'on comprend lors de la bataille de raphia? le roi du nord rassemble une grande armée. d'accord? Le roi du Sud rassemble une grande armée, mais l'armée du roi du Nord est mise entre les mains du roi du Sud. Et c'est une victoire inattendue, d'accord Donc ici, c'est la victoire du roi du Nord. Ici, c'est la victoire du roi du Sud, bien que les deux aient une grande armée. Continuons la diapo 41. La victoire de Ptolémée, donc le roi du Sud, permet de sauver l'Égypte et de reprendre le contrôle de la Colessirie, comme cela a déjà été dit. Mais Ptolémée choisit de ne pas poursuivre l'offensive plus en profondeur à travers le territoire Seleucide, et abandonne même Seleucide de Pierre. La province de Colessirie est conquise par Antiochus en 198, donc ça c'est une autre histoire. Donc on va comprendre qu'ici, les versets 11 et 12... On va bien regarder le verset 12. Nous parlons de la bataille de Raphia. Et après cette bataille, on verra. Déjà, on peut le voir déjà dans le texte. Hein? Dans le texte, il nous est dit qu'on vient de lire. Hein? Euh, mais Ptolémée, le roi du sud, choisit de ne pas poursuivre l'offensive plus en profondeur à travers le territoire de Séleucide. Et ici, on va voir qu'il va y avoir une zone de paix. Donc, vous savez, dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Si vous regardez les guerres de Syrie, il doit y avoir six guerres de Syrie. Donc ici, nous sommes dans la quatrième guerre, et dans cette quatrième guerre, il y a plusieurs batailles dont la bataille de Raphia. La, di la diapo 42. Donc c'est toujours sous du Wikipédia. Hein? La dynastie lagide a été contrainte de faire appel aux indigènes égyptiens et de les armer, alors qu'auparavant elle n'a recruté que des mercenaires grecs, hein? trace ou Galates. Donc ça aussi c'est important de noter qui fait partie de l'armée parce que ça doit vous faire des échos sur ce que vous voyez ou ce que vous avez vu ces dernières années. La bataille de Rafia devient le point de départ d'une série de révoltes égyptiennes contre les occupants gréco-macédoniens et la pression fiscale générée par l'entretien d'une grande armée. Donc nous notons que la bataille de Rafia va être le point de départ. Ce n'est pas le point de fin, mais c'est le point de départ d'une série de révoltes. De plus, le pouvoir ptolémaïque, donc le roi du sud, commence à s'égyptianiser. Pour la première fois, un souverain de la dynastie Lagide reçoit des honneurs égyptiens complets, ce qui devient la norme et est transmis aux autres pharaons. Continuons. Donc nous sommes. Euh, Là, c'est un commentaire d'Urias Smith. Donc là, on veut aller au verset 12 parce que euh, nous avons lu au début le verset 11 et le verset 12. Parce que quand on lit les versets 11 et 12, il était bien dit, puis le roi du Sud exaspéré. Se mettra en campagne pour combattre contre le roi du Nord et réunira une grande armée. Et cette armée sera placée sous sa direction. Donc le verset 11, c'est juste la préparation. Il a préparé son, sa grande armée. Et au verset 12, et l'armée sera puissante et son cœur à lui s'enorgueillira. Il fera tomber des myriades, mais ne triomphera pas longtemps. Donc nous comprenons que le verset 11, c'est la préparation de Rafia et le verset 12, c'est la bataille. Donc on ne peut pas scinder ces deux versets, d'accord c'est la même bataille. Ici il y a une préparation d'une grande armée. Et cette grande armée, elle tue beaucoup de personnes. Donc voilà cette bataille, la bataille de Rafia. Alors, euh, donc, Uriah Mitz va nous dire, hein, euh, à la page euh, 80-81, nous sommes à la diapo 43. Ptolémée, le roi du Sud, ne sut pas profiter de sa victoire. S'il avait profité de ses avantages, il se serait probablement rendu maître de tout le royaume d'Antiochus. Donc vraiment, si le roi du Sud avait continué, il aurait tout gagné. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ayant vaincu ses ennemis, il fut lui-même vaincu par ses, ses vices. Il oublia le grand nom qu'il aurait pu acquérir et il consacra son temps au banquet et à la sensualité. Son cœur se grisa de ses succès, mais fut loin d'en être fortifié, car l'usage infâme qu'il fit de ses ressources fit que ses sujets se rebellèrent contre lui. Continue. Mais l'exaltation de son cœur se nota surtout dans ses transactions avec les Juifs. En venant à Jérusalem, il offrit les sacrifices et voulut entrer dans le lieu très saint du temple. Du temple malgré la loi et la religion des Juifs, mais il en fut empêché avec de grandes difficultés. Et il quitta le lieu, ex-implosant de colère contre la nation juive. Et il commença immédiatement une persécution implacable contre les Juifs. À Alexandrie, où les Juifs résidaient depuis l'époque d'Alexandre et jouissaient des mêmes privilèges que les citoyens les plus favorisés, 40 000 furent mis à mort selon Euseb, 60 000 selon Jérôme. La rébellion des Égyptiens et la tuerie des Juifs n'eurent certainement pas pour effet de fortifier Ptolémée sur son trône, mais contribuèrent plutôt à sa ruine. Donc, Uriah Smith va nous mettre également cette notion de persécution. Mais quand nous regardons dans le texte, nous ne voyons pas la relation avec le peuple juif. Si nous regardons la diapo 45, j'ai juste pris. Euh, lors de cette bataille de Raffia, qui était euh, c'était qui les personnes en présence. Et quand on regarde, on voit que le roi du Sud, dans les pertes, évidemment, va avoir une perte de 1500 fantassins, de 700 cavaliers, de 16 éléphants. Mais le roi du Nord, Antiochus, va avoir euh, une perte de 10 000 fantassins. Donc 5 fois plus de pertes que le roi du Sud. 300 cavaliers et 5 éléphants. Donc, je voudrais également noter cette notion. Euh, le texte ne nous le dit pas quand on regarde euh, la Bible, mais Uriah Smith nous parle également de cette persécution juive. On verra après ce que, ce que cette info peut nous emmener quand nous arrivons dans notre histoire. Ok. Donc là, il y a ici. Il y a cette persécution juive. Donc, les différentes applications, mais ce n'est pas seulement Urias Smith qui a fait cette application, différentes personnes, ils vont dire qu'en euh, moins de 217 va commencer, ce sera la bataille de Rafia, mais également ce sera le début de la fin du roi du Sud. Il va vaincre l'armée du roi du Nord, Ptolémée, et il va même s'exalter. Alors, si nous regardons, donc au V1C 40, qu'est-ce qu'on avait On a bataille entre roi du Nord et roi du Sud, jusqu'à la forteresse du roi du Sud, et le roi du Nord gagne, d'accord Verset 41 et verset 42, donc il y a une zone de paix, on va l'entourer, il y a une zone de paix. Verset 41 et verset 42, c'est la même histoire, c'est la bataille de Raphia. Verset 41, le roi du sud est en colère, il organise une grande armée et le verset 42, il tue. Donc le roi du sud, je vais le mettre ici. Donc le roi du Sud tue beaucoup de gens. OK Donc BCQ beaucoup. Donc ici, il organise son armée et ici, il tue. C'est la bataille de Rafia. Quand nous allons verser 13, Lisons euh, Daniel 11, nous sommes au verset 13. Nous allons lire dans deux versions, donc je vais lire la King James et puis Rabina également. « Car le roi du Nord reviendra et assemblera une plus grande multitude que la première, et après quelques années, il viendra certainement avec une grande armée et beaucoup d'équipements. » Donc, ici, vous vous souvenez, ici le roi du Nord avait une grande armée, avait une équipe, et là maintenant, il nous est dit, qu'il va de nouveau réunir donc, le roi du Nord plus grande armée. Au verset 13. Rabbina va nous dire ensuite le roi du Nord, Rochef, donc de nouveau une seconde fois, lèvera une grande armée plus nombreuse que la précédente. Donc, Ici, on peut faire le lien. On va faire ici, comme ça, le lien là. Il y avait une, déjà une grande armée. Maintenant, elle est plus forte que la précédente. Et au bout d'un certain temps, de quelques années, il se présentera avec de grandes forces et un puissant appareil. Alors, quelle, est, quelle application prophétique que Uriath Smith a donnée? Euh, pour Daniel 11, verset 13, dans le passé, parce que toutes ces discours, ça c'est déjà passé, c'était sous l'Empire grec. Lisons la diapo 49. Les événements prédits dans ce verset devaient arriver au bout de quelques temps, de quelques années. Alors notez bien, la paix conclue entre Ptolémée Philapa, Philopator, et Antiochus Méga dura 14 ans. Donc, là encore, il y a une notion de paix. D'accord Donc, ici, vous vous souvenez, hein, nous sommes en moins 217. Et il va y avoir une, une période de paix. Et on va nous dire que cette période de paix va durer 14 ans. De 14 ans, après, il y aura une période de paix. Donc, ici, on va mettre paix. Et je vais mettre 14 ans. Il y a une période de paix de 14 ans. Pendant ce temps, Ptolémée mourut de son intempérance et de sa débauche. Donc quand on pense à ces 14, tout de suite on pense à Jacob avec euh, les 14 années pour euh, ces deux femmes, mais on ne va pas rentrer dans dedans actuellement. Là on est en train juste de regarder l'explication, l'application qu'il faisait pour eux. Donc pendant ce temps, Ptolémée mourut de son intempérance et de sa débauche. Et son fils... Ptolémée Épiphane, qui avait alors cinq ans, lui succéda. Pendant ce temps, Antiochus arrêta la rébellion de son royaume et se fit obéir des provinces orientales. Il fut ensuite libre pour n'importe quelle aventure quand le jeune Épiphane monta sur le trône d'Égypte. Pendant que cette opportunité était trop bonne pour être méprisée, il rassembla une immense armée, plus nombreuse que la première, et se mit en marche contre l'Égypte. Avec l'espoir d'obtenir une victoire facile sur l'enfant roi. Donc, ici, il y a le roi du Nord avec une grande armée qui va venir contre le roi du Sud parce que, notons que le roi du Sud, c'est un enfant. Donc, certains vont dire qu'il avait entre 4 et 5 ans. Donc, pour eux, c'était vraiment une victoire, une victoire facile et. Il ne pouvait pas y avoir autre chose que cette victoire. Certains vont dire que euh, c'était une bonne occasion pour se débarrasser du roi du Sud. L'Égypte décline, la structure gouvernementale se décompose, et, et donc du coup, le roi du Nord, il revient des années plus tard, environ 14-15 ans plus tard, hein, afin euh, de prendre sa revanche. Et en plus, c'est juste un enfant qui est roi, un enfant de 4-5 ans. Donc, ici, nous sommes en moins 217. Et il y a une guerre qui avait beaucoup, euh, qu'on qu pourrait vraiment noter, c'est euh, Pagnon, ou panium pour certains, qu'ils ils vont dire. Et quand on regarde, si vous faites moins 200, quand vous faites moins 217 et vous enlevez 15 ans, vous arrivez à moins 202. Donc, en moins 202, donc nous sommes au verset 13, en moins 202, nous avons une guerre et cette guerre Alors tout à l'heure nous allons voir Donc à partir de moins de 202 après la mort de Ptolémée IV, plusieurs se lèveront contre le roi du Sud, incluant le roi du Nord qui a maintenant un soutien pour venir et détruire le roi du sud et c'est son objectif parce que n'oublions pas que le roi du sud a gagné donc le roi du nord il avait pris l'avantage là le roi du sud gagne donc lui il veut prendre sa revanche et, et donc du coup des années plus tard il va se réveiller pour au moment opportun euh, pour, pour prendre sa revanche donc là, ça c'est le verset euh, 13. Alors au verset 13, euh, si nous revenons sur le verset 13, il est bien dit, Ensuite le roi du nord, Dérichef, lèvera une grande armée, plus nombreuse que la précédente, et au bout d'un certain temps, de quelques années, il se présentera avec de grandes forces et un, app et un puissant appareil. Donc c'est la même chose, c'est la même structure, d'accord Ici... C'est la préparation. Alors là, j'ai écrit déjà tellement de choses. Euh, je vais effacer un peu. Donc, je vais enlever le moins 217 là. Et là, je vais mettre ça. Donc, ici, c'est la préparation. D'accord Le verset 11, le roi du sud était venu avec une grande armée, c'était sa préparation. Ici, au verset 13, le roi du nord arrive avec une grande armée et c'est la préparation. Donc, la guerre n'est pas ici. Alors, regardons un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe. Allons verset 14. Verset 14, dans la Lui seconde, en ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Donc, il y en a plusieurs qui sont intéressés. Et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Donc, nous sommes à la diapo 52. Dans la version rabbinat, il est dit en ce temps-là, Beaucoup s'élèveront contre le roi du sud, et des enfants scélérats de ton peuple s'insurgeront pour réaliser la vision, mais ils succomberont. Nous n'allons pas entrer dans l'étude de ce verset, mais le verset 14, nous comprenons vraiment que c'est le roi du nord qui arrive au verset 14. Mais vous allez me dire mais quel roi du nord Il y a déjà gens roi du nord. Évidemment, ici, c'est le roi du nord de l'Empire grec. Et là, maintenant, c'est la Rome. On va dire que c'est Rome. On ne va pas dire le roi du Nord, on va dire juste Rome. Voilà. Les hommes violents de ton peuple. Regardons ce qui va être dit pour le verset 14. Regardons déjà Uriah Smith à la page, euh, la diapo 53. « Antiochus Méga ne fut pas le seul à se lever contre l'enfant Ptolémée. Agothoclès, son premier ministre, qui s'était emparé de la personne du roi et manipulait les affaires du roi du royaume à sa place, était si dissolu et orgueilleux dans l'exercice du pouvoir que les provinces autrefois assujetties à l'Égypte se rebellèrent. L'Égypte elle-même fut perturbée par des séditions et les Alexandrins se levèrent contre Agothoclès, le firent mettre à mort avec sa sœur, sa mère et ses associés. Au même moment, le Philippe de Macédoine, qui est également intéressé par ce territoire, hein, s'allia avec Antiochus pour se répartir les possessions de Ptolémée, chacun se proposant de prendre les parties les plus proches et les plus commodes. C'est un soulèvement contre le roi du Sud suffisant pour accomplir la prophétie et qui eut pour résultat, sans le moindre doute, les événements précis de la prophétie, que la prophétie annonçait. Donc on aurait juste pu voir hein, cette union se faire de deux rois et prendre, euh, et prendre le dessus sur le roi du sud. Mais il y a quelque chose qui va se passer, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte ne dit pas, mais le roi, le roi du nord va venir. Il nous parle des violents de ton peuple. Pourquoi cette information ici au verset 14 Continuons, nous sommes à la diapositive 54. Mais un nouveau pouvoir intervient maintenant, des hommes violents parmi ton peuple, ou littéralement, selon Thomas Winton, les fils des destructeurs de ton peuple. En réalité, là-bas, sur les rives du Tibre, il y avait un royaume qui nourrissait des projets ambitieux et de sombres desseins. Petit et faible au début, il crut en force et en vigueur avec une rapidité étonnante. Et il s'étendit avec prudence ici et là pour essayer son habileté et tester son bras guerrier jusqu'au moment où il prit conscience de son pouvoir. Alors qui, qui est ce royaume Alors il leva la tête avec audace parmi les nations de la terre et avec une main invincible, il s'empara du timon des affaires mondiales. Depuis lors, le nom de Rome se détacha dans les pages de l'histoire. Nous sommes sous la statue, nous savons qu'après la Grèce, c'est la Rome. Et maintenant, on va nous expliquer comment la Rome va arriver dans l'histoire de l'humanité. Car elle est destinée à dominer le monde durant de longs siècles et à exercer une puissance, une puissante influence parmi les nations jusqu'à la fin des temps, en accord avec les prophéties. Parce que Rome, c'est le fer, et on sait que le fer sera trouvé jusque dans les orteils. Donc, comprenons, nous sommes dans l'Empire grec en deux parties, Rome, euh, la partie nord et la partie sud. La partie nord, c'est euh, la quatrième guerre, parce qu'on est en train de zoomer la quatrième guerre de Syrie. La, dans, la, dans, la, dans cette guerre, la quatrième guerre, le roi du nord prend l'avantage. Quelques années plus tard, deux ans plus tard, le roi du Sud prend l'avantage. Et maintenant, ils vont faire euh, une paix. Et le roi du Nord meurt. Du Nord, le roi du Sud meurt. Maintenant, c'est son fils. L'enfant roi, qui a 4-5 ans, n'est pas nommé. Et, et c'est lui qui est le roi, le roi du Sud. Et le roi du Nord, donc dans la partie nord de cet empire, Voit vraiment l'avantage et la facilité pour récupérer le Sud, d'accord, et pour gagner. Mais le texte nous dit qu'il y a un autre acteur qui va rentrer en scène, et ce sont les violents de ton peuple. C'est pendant la même histoire, hein, d'accord C'est pendant cette même histoire, ok Pendant cette période, il y a les violents de ton peuple qui vont également se réveiller. La diapo 55, Rome parla. Et la Syrie et la Macédoine ne tardèrent pas à s'apercevoir que leur rêve changeait d'aspect. Ils n'avaient pas prévu cet acteur. Les Romains interviennent en faveur du jeune roi d'Égypte, déterminés à le protéger de la ruine imaginée par Antiochus et Philippe. Donc en moins 222, qu'est-ce que nous voyons Quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Rome qui vient au secours de l'enfant roi. Donc Rome qui va aider. Rome qui va aider le roi du Sud. Donc c'était en, en l'an moins, moins 220, excusez-moi, en l'an moins 200, et ce fut l'une des premières interventions importantes des Romains dans les affaires de la Syrie et de l'Égypte. N'oublions pas, la Syrie c'est le roi du Nord, l'Égypte le roi du Sud, et Rome qui, on pourrait dire, qui vient de nulle part, et qui arrive sur la scène. Nous continuons avec euh, ce que Ilias Smith nous dit toujours sous le verset 14. Pour accomplir la vision, il explique que les Romains sont plus que n'importe quel autre peuple le thème de la prophétie de Daniel. Ça, nous le savons. Leur première intervention dans les affaires de ces royaumes est mentionnée ici comme l'établissement ou la confirmation de la véracité de la vision qui précédait l'apparition d'une telle puissance. Nous continuons. Ils succomberont, donc maintenant il va expliquer ils succomberont. Certains appliquent cette expression à plusieurs mentionnés dans la première partie du verset, qui allaient s'allier contre le roi du Sud, et d'autres aux hommes violents du peuple de Daniel, les Romains. Elle s'applique aux deux cas. Si on se réfère à ceux qui s'allièrent contre Ptolémée, tout ce qu'il faut dire, c'est qu'ils chutèrent rapidement. Si on applique aux Romains, la prophétie signale simplement le moment de leur chute finale. Donc, nous voyons cette main aidante qui est euh, Uriah Smith, son travail. Qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va regarder l'histoire et, et, avec ce qu'il voit de l'histoire, il va expliquer chaque mot et l'explication, l'application prophétique. La diapo 58, Antiochus. Roi du Nord, roi de Syrie et Philippe, roi de Macédoine, sous le règne de Ptolémée, donc il est le roi du Sud, avaient manifesté le zèle le plus énergique pour les intérêts de ce monarque et ils étaient disposés à l'assister dans toutes les occasions. Mais à peine mort et laissant derrière lui un enfant qui, d'après les règles de la bonté et de la justice, leur enjoignait de ne pas le molester. Dans la prise de possession du royaume de son père, ils s'unirent immédiatement par une alliance criminelle et ils s'incitèrent mutuellement à éliminer l'héritier légitime et à se répartir ses territoires. Philippe devait recevoir la Carie, la Libye, la Cyrénaïque et l'Égypte et Antiochus tout le reste. Ayant ceci en vue, le dernier entra en Colessyrie et en Palestine. Et en moins de deux campagnes, il réalisa l'entière conquête de ces deux provinces, avec toutes leurs villes et leurs dépendances. Donc là, on nous explique un peu ce conflit qui avait eu lieu entre le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du, sud, le roi du Nord, lui, il a, il a cherché vraiment à prendre, à prendre le roi du Sud, d'accord et, et donc nous sommes au verset 13, et regardons le verset 15. Si nous regardons verset 15, nous sommes à la diapo 60. Il, est, il nous est dit au verset 15, alors que verset 13 on avait la préparation, verset 15, et le roi du nord viendra, il élèvera un mont et prendra les villes fortes. » Donc là c'est l'action. Et les bras du sud ne résisteront pas, ni son peuple d'élite, il n'y aura aucune puissance pour résister. Dans la version rabbinique, il est dit, et le roi du nord viendra donc, il élèvera ses redoutes. Il élèvera des redoutes et s'emparera d'une ville forte. Les forces du Sud, pas même ses troupes d'élite, ne tiendront ferme. On n'aura pas d'énergie pour résister. Donc là, ici, il nous parle de cette bataille. Il y a le roi du Nord avec une grande armée et le roi du Sud ne va rien réussir face au roi du Nord. Donc on peut mettre ici, je vais le mettre ici. Donc, il y a la bataille roi du sud contre roi du nord, avec le roi du nord qui va gagner, et le roi du sud, donc je vais mettre ici également, le roi du sud, c'est un enfant. Donc, regardez, ici, nous sommes sous l'empire grec. Nous avons eu la bataille roi du sud, roi du nord, avec le roi du nord qui gagne. Après, nous avons eu la bataille de Raphia, roi du Sud, roi du Nord, avec le roi du Sud qui gagne. Et maintenant, nous avons la revanche, la bataille de Pagnon, que certains appellent Pagnum, roi du Sud, roi du Nord, et maintenant, c'est le roi du Nord qui gagne. Donc, vous voyez, on va faire un peu plus loin. Ici, c'est la relation avec ici. D'accord Le roi du Nord gagne ici. Le roi du Nord gagne ici. Le roi du Sud prépare une armée. Le roi du Nord prépare une armée. Entre ces deux batailles, il y a la paix. Entre la quatrième guerre de Syrie et la cinquième guerre de Syrie, il y a la paix. Par contre, nous reconnaissons qu'il y a une différence c'est que dans cette bataille de Pannion, de c'est à ce moment-là que Rome arrive sous la Seine. Et Rome va aider va aider le roi du Sud, mais en réalité, le roi du Nord va quand même gagner. Regardons euh, ce qu'il est dit par rapport aux commentaires. Nous sommes à la diapo 61, donc euh, je vous invite à regarder la diapo 59 et vous voyez un peu le schéma. La diapo 59, vous voyez les batailles de Raphia et la partie verte, c'est la bataille de Panium. Bataille de Raphia, moi j'ai mis moins 219, 217, mais c'est beaucoup plus de 217, et la bataille de Panium de moins 202 à moins 195. Alors regardons ce que l'histoire nous dit. Si vous allez sur Wikipédia, il est dit Antiochus III cherche à prendre sa revanche sur l'Égypte lagide après avoir été vaincu en 217. Notez vraiment les mots. L'un, c'est qu'il veut prendre sa revanche, parce qu'il a perdu des territoires ici. Donc, il veut récupérer les territoires qu'il a perdus. Donc, Antiochus III cherche à prendre sa revanche sur l'Égypte, l'Agide, après avoir été vaincu en 217 à la bataille de Raphia. Ayant réalisé entre-temps la reconquête des hôtes, satrapie d'Asie. Aussi profite-t-il de la mort prématurée de Ptolémée IV et de la montée sur le trône d'un enfant de cinq ans, jouet de ses ministres, Ptolémée V, pour déclencher la cinquième guerre de Syrie. Donc ici nous sommes sur la quatrième guerre de Syrie et ici nous sommes sur la cinquième guerre de Syrie. Donc vous aurez beaucoup d'informations sur Internet hein, en cherchant, en cherchant tout ceci. Regardons ce que Uriah Smith nous dit. Nous sommes à la page 82, la diapo 62. L'éducation du jeune roi d'Égypte fut confiée par le Sénat romain à Manque Emilius Lepidus, qui lui donna pour tuteur Aristomène, ministre âgé et expérimenté de cette cour. Son premier geste fut de prendre des mesures contre les menaces d'évasion des deux rois confédérés, donc Philippe et Antiochus, la Macédoine. Et la Syrie. Il envoya donc Scopas, un fameux général d'Étolie, qui servait alors les Égyptiens dans son pays natal pour obtenir des renforts armés. Après avoir équipé une armée, il pénétra en Palestine. Donc vous voyez vraiment le sujet c'est la Palestine. Hein? Donc il pénétra en Palestine et en Colé-Syrie Et il soumit toute la Judée à l'autorité de l'Égypte. Continuons, il nous est dit à la diapo 63, c'est ainsi que les événements se mirent en ordre pour l'accomplissement du verset que nous étudions, le verset 15. Renonçant à sa guerre contre Attal aux ordres des Romains, Antiochus prit rapidement des mesures pour reprendre la Palestine et la Colé syrie des mains des Égyptiens. Scopas fut renvoyé pour lui faire face. Près des sources du Jourdain, les deux armées se rencontrèrent. Scopas fut vaincu, poursuivi jusqu'à Sidon et là étroitement assailli. Trois des généraux, les plus compétents d'Égypte avec leurs meilleures forces, furent envoyés pour lever le siège, mais sans succès. Continue. À la fin, Scopas, voyant dans le spectre de la fin un ennemi qu'il ne pouvait pas affronter, se vit obligé de se rendre à la, à, la, à la condition déshonorante de sauver seulement sa vie. Il fut autorisé, lui et ses dix mille hommes, à partir dépouillés de tout et indigents. C'est ainsi que la prédiction relative au roi du Nord s'accomplit. Il s'emparera des villes fortes, car Sidon était de par sa position et ses défenses l'une des villes les plus fortes de cette époque. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résistait pas, ni le peuple choisi par le roi du sud. C'est-à-dire Scopas et ses forces d'Étolie. Donc là, il nous est parlé un peu de, de comment cette guerre, donc on voit sous différentes, euh, différents récits, de comment cette victoire a été obtenue par le roi du nord, le verset 15. Si nous regardons dans Wikipédia, nous sommes à la diapo 65. Il est dit La victoire à Pagnon permet à Antiochus III de conquérir la Samarie, donc la Palestine, et la Colessyrie. Le gouverneur de cette dernière province trahit les Lagides et conserve son poste au, au titre de stratège et archiprêtre. À Jérusalem, les Juifs l'aident ensuite à s'emparer de la citadelle, encore aux mains des troupes Lagides. Donc là aussi, c'est important de noter, vous vous souvenez là, il y avait une action des Juifs. Et là aussi, on voit cette action des Juifs. Alors, je ne vais peut-être pas mettre persécution, je vais juste mettre action juive, parce que, pour que vous puissiez mieux voir. Okay? Donc, à Jérusalem, les Juifs l'aident ensuite à s'emparer de la citadelle en camp aux mains des troupes lagides. Tournant tactique, la bataille de Pagnon valide l'emploi des cavaliers cataphractaires qui deviennent dès lors un élément prépondérant de l'armée séleucide. Donc ici, résumons, nous avons... Une bataille, le roi du nord, le roi du sud. Après, nous avons ici la bataille de Rafia en deux, sous deux versets. La bataille de Rafia, il y a d'abord la préparation d'une grande armée et après la bataille, le roi du sud contre le roi du nord, le roi du sud gagne. Il y a une période de paix, donc il y a une action juive qui se termine ici par rapport au roi du sud, par rapport au gagnant. Il y a une paix, la paix qui va durer 14 ans et après on revoit, alors que Ptolémée est mort, le fils, son jeune fils, mais Philippe est, est de, de la Macédoine et Syrie, ils vont s'associer pour venir et prendre le roi du sud, en tout cas prendre le royaume du sud, ils vont réussir. C'est la bataille de Panion. C'est la cinquième guerre de Syrie. Et nous avons vu que dans cette cinquième guerre de Syrie, le texte euh, veut juste noter l'arrivée de Rome, les hommes violents de ton peuple. Et il y a également une action juive qui, fera, qui sera faite à l'avantage du roi du Nord. Donc vous voyez une structure qui se dégage. Roi du Sud contre no du Nord, Roi du Nord, Roi du Nord gagne, paix. Roi du Sud contre Roi du Nord, Roi du Sud gagne, paix. Mais il y a action juive. Roi du Sud contre Roi no du Nord, Roi du Nord gagne, il y a action juive. Préparation de l'armée, préparation de l'armée bataille bataille avec une particularité l'arrivée de Rome ici allons au verset 16 donc si nous regardons la diapo 66 dans la diapo 66 nous avons la structure d'accord donc nous voyons la partie raffia la partie pagnon la paix entre les deux, et nous allons au verset 16. Le verset 16, quand nous lisons la Bible, nous sommes à la diapo 67, Daniel 11, verset 16, mais celui qui vient contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera, et il se tiendra dans le pays glorieux qui par sa main sera détruit. Si nous regardons dans la version rabbina, il est dit, l'auteur de cette évasion agira à sa guise. Personne ne pourra lui tenir tête. Il prendra position dans le pays qui est le joyau des pays, apportant la win dans sa main. Si nous nous arrêtons à ce verset, nous pouvons peut-être commencer à regarder le pays glorieux. Quel est le pays glorieux Nous comprenons que c'est la Palestine. Et le pays glorieux a été pris euh, par qui Et Qui a euh, qui a contrôlé la Palestine Et nous savons que Prophétiquement, euh, nous, nous avons cette prophétie de Daniel. Dans Daniel chapitre 8 hein, et le verset 9, hein, vous vous souvenez de ce texte qui est dit De l'une d'elles sortira une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Et nous savons que là, ça a été euh, la prise de la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Et la Palestine, la Syrie en moins 65. La Palestine en moins 63 et l'Égypte en moins 30. Donc ici, il est question de moins 63. Donc, en moins 63. En moins 63, c'est quand il rentre dans le pays glorieux. C'est quand il prend le pays glorieux. C'est en moins 63. Et dans l'histoire, qui a pris le pays glorieux Mais tous, nous le savons, c'est Rome. Ça n'a pas été l'Égypte, c'est Rome qui a pris le pays glorieux. Mais ça n'a pas été la Syrie non plus, c'est Rome qui a pris le pays glorieux. Parce que Rome a pris d'abord Syrie, non, a pris d'abord oui la Syrie, après a pris le pays glorieux et ensuite a pris la Palestine. Regardons euh, le commentaire d'Urias Smith sur le verset 16. Nous sommes à la diapo 68. Bien que l'Égypte n'avait pas subsister devant Antiochus Méga, le roi du Nord, Antiochus Asiaticus, ne put résister aux Romains qui vinrent contre lui. Aucun royaume ne put résister à la puissance naissante. La Syrie fut conquise et ajoutée à l'Empire romain quand Pompée, en moins 65, priva Antiochus Asiaticus de ses possessions. Et réduisit la Syrie à une province romaine. Donc, ça c'est moins 65. La même puissance, donc toujours Rome, devait se détacher aussi en terre sainte et la consumer. Les Romains furent en relation avec le peuple de Dieu, les Juifs, donc par une alliance en moins 161. Depuis lors, Rome occupa une place éminente dans le calendrier prophétique. Mais cependant, elle naquit la juridiction de la Judée par une conquête effective qu'en l'an moins 63. Alors, Daniel 11, verset 16, il nous est bien dit Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Urias, Miss nous a expliqué ce qui s'est passé en moins 65, donc je reprends. En moins 65, Rome prend Syrie. En moins 63, Rome prend le pays glorieux, la Palestine. Et en moins 30, Rome prend l'Égypte. La diapo 69, il nous est dit au retour de l'expédition de Pompée contre Mithridate, Eupator, roi du pont, deux concurrents, fils du grand prêtre des Juifs de Palestine, Hircan et Aristobule, luttaient pour la couronne de Judée. Leur cause fut présentée à Pompée, qui ne tarda pas à percevoir l'injustice des prétentions d'Aristobule, mais il voulut différer sa décision sur ce sujet à son retour de l'expédition, qu'il désirait depuis longtemps conduire à l'intérieur de l'Arabie. Il promit donc de revenir, régler leurs problèmes de la façon la plus juste. Aristobule, comprenant les vrais sentiments de Pompée, se dépêcha de revenir en Judée, arma ses sujets et se prépara à se défendre vigoureusement. Bien résolu à conserver à tout prix la couronne, qui, selon ce qu'il prévoyait, allait être donné à un autre. Continuons, la diapo 70. Après sa campagne d'Arabie contre le roi Arétas, Pompée fut au courant de ses préparatifs belliqueux et marcha contre la Judée. Quand il fut proche de Jérusalem, Aristobule commença à se repentir de sa conduite. Il sortit à la rencontre de Pompée pour tenter d'arranger les choses en promettant une entière soumission et une grande quantité d'argent. Donc ça, c'est important aussi de noter comment cela s'est passé. Pompée accepta cette offre et envoya Gabinius avec un détachement de soldats pour recevoir l'argent. Mais quand ce lieutenant arriva à Jérusalem, il trouva les portes fermées. Et on lui dit du haut de la muraille que la ville ne ratifiait pas l'accord. C'est vraiment important de noter parce que quand nous verrons l'histoire de, notamment l'histoire de la Babylone, nous allons mieux comprendre euh, ce, qui se, ce qui se passait ici. La diapo 71, Daniel 11, verset 16, Pompée, qui ne voulait pas être trompé impunément, enchaîna Aristobule et marcha immédiatement contre Jérusalem avec toute son armée. C'est important aussi de noter ça qu'il a attaché Aristobule. Les partisans d'Aristobule voulaient défendre la ville. Ceux quand préféraient ouvrir les 83 portes. Comme ces derniers étaient majoritaires, ils prévalurent et on laissa entrer librement Pompée dans la ville, devant laquelle les adeptes d'Aristobule se retirèrent dans la forteresse du temple, tant résolus à défendre la place que Pompée se vit obligé de la siéger. Au bout de trois mois, on réussit à pratiquer une brèche suffisamment grande pour donner l'assaut. Et le lieu fut pris à la pointe de l'épée. Dans la terrible tuerie qui suivit, douze mille personnes périrent. C'est un spectacle émouvant, observe l'historien, que de voir les sacrificateurs, qui à cet instant s'occupaient du service divin, continuer leur travail habituel d'une main calme et poursuivre fermement leur dessein, apparemment inconscients du tumulte sauvage, jusqu'à ce que leur propre sang se mêle à celui des sacrifices qu'ils offraient. La diapo 73, après avoir achevé la guerre, Pompée fit démolir les murailles de Jérusalem. C'est important de noter ça aussi. La démolition des murailles de Jérusalem. Il transféra de nombreuses villes de la juridiction de Judée à celle de Syrie. Et il imposa un tribut aux Juifs. Ça, c'est important de noter. Pour la première fois, Jérusalem fut placée par suite d'une conquête entre les mains de Rome, la puissance qui devait retenir le plus beau des pays sous sa domination de fer, jusqu'à ce qu'il soit complètement consumé. Ici, résumons. Alors que nous arrivons à la fin, nous avons vu entre les versets 40, entre les versets 10 et le verset 16, beaucoup d'informations. La bataille, le roi du sud contre le roi du nord, avec le roi du nord qui gagne. Le roi du nord qui va mettre en place une grande armée, le roi du sud également. Au verset 11, le roi du Sud va mettre une grande armée, le roi du Nord va mettre une grande armée, au verset 12, il va y avoir la bataille, le roi du Sud va remporter la victoire et va tuer beaucoup de gens et il y aura une action au niveau des Juifs. Il y a la paix qui va être instaurée pendant plus de 14 ans. Là, nous sommes sur la quatrième guerre de Syrie. Ptolémée est mort, son fils, un jeune de 5 ans, est sur le trône. Philippe de Macédoine ainsi que le roi de Syrie ne voient vraiment une opportunité offerte. Ils vont se mettre ensemble pour aller combattre l'enfant roi. Au verset 13, il y a une grande armée du roi du Nord qui va être mise en place. Et cette grande armée va tuer beaucoup au verset 15 et va prendre, euh, prendre l'Égypte. Au verset 14, Rome intervient dans la scène. Pour aider le roi du sud, mais ici au verset 15, euh, personne n'aide le roi du sud. Au verset 16, Rome va arriver et va prendre la Palestine après avoir déjà pris la Syrie, qui est le roi du nord. Donc, il va devenir Rome va devenir roi du nord parce que en -65, il a pris la Syrie, donc il devient le roi du nord. Et maintenant, le roi du Nord rentre dans le pays glorieux. Et quelques années plus tard, en moins 30, le roi du Nord détruit, prend également le roi du Sud. Donc le roi du Nord qui devient, ou roi du Nord, roi du Sud, qui est le roi, le, le, le roi de tout. Et, et ceci, quand nous allons voir le verset, euh, verset euh, 42, nous allons voir que l'Égypte va suivre le roi du Nord. Alors que le roi du Nord rentre dans le pays glorieux au verset 41, le verset 42, il nous est dit que l'Égypte aussi va devoir suivre. Donc, une fois qu'il est rentré dans le pays glorieux en mois 63, l'étape d'après, c'est l'Égypte qui suit. Nous avons vu une structure qui se place, guerre, paix, guerre paix donc ou bien bataille paix bataille paix bataille persécution ou bien prise ou bien rentrée du pays glorieux On pourrait dire bataille paix bataille paix bataille rentrée dans le pays glorieux pourquoi tout ceci est important parce que vous savez qu'aujourd'hui le roi du sud est en action en Ukraine actuellement en avril 2022 nous n'allons pas répondre à cette question ici parce que nous voulons ramener des lignes sous des lignes. Mais sommes-nous à la bataille de Raphia ou sommes-nous à la bataille de Pagnon Si nous sommes à la bataille de Raphia, nous devons nous attendre une période de paix à la bataille de Pagnon qui arrive et ensuite dans le pays glorieux. Mais si nous sommes à la bataille de Pagnon, nous savons que la prochaine étape, c'est l'entrée dans le pays glorieux. Nous avons vu également une grande armée qui est formée pour le roi du Sud, une grande armée qui est formée pour le roi du Nord. Nous avons vu une action juive en faveur du roi du Sud, une action juive en faveur du roi du Nord. Nous avons vu également le roi du Nord qui avait une grande armée et qui va reconstituer cette grande armée, qui va chercher à récupérer tout ce qu'il a perdu. Parce que le roi du Sud avait cherché à faire pareil ici. Donc, dans la prochaine étude, nous allons regarder ici, nous voyons bien que c'est la montée de la Rome. Alors, la première des choses que nous allons chercher à comprendre, c'est comment s'est passée la montée de la Babylone. Donc, la prochaine fois, nous aurons à regarder d'autres batailles, notamment la bataille de Megiddo et la bataille de Karkemich, afin de pouvoir les placer et de comprendre ce fonctionnement. Ensuite, nous regarderons cette histoire afin de comprendre notre histoire. Prions. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions, merci pour cette étude que tu nous proposes, merci pour tes éclaircissements et continue encore à nous instruire afin que nous puissions grandir chaque jour dans toute la vérité. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, merci pour tes nombreuses bénédictions envers nous. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom Jésus. Amen.